Voyage au Swaziland, mini dictature tropicale. Mswati III est le dernier monarque absolu d'Afrique. Un tyran connu notamment pour sa danse des roseaux annuelle. La fête des vierges. Le plus grand speed dating du monde, où il choisit ses futures épouses. Il en a 14 au compteur. Bon, il y a deux moments importants au Swaziland, la fête des roseaux et l'anniversaire du roi. Aujourd'hui, il a 48 ans. Et on a réussi à s'incruster. Cette année, l'anniversaire du roi a lieu dans une petite ville, à 2 heures de route de la capitale. Sur la liste des invités, plus de 10 000 personnes venues de tout le pays. Non. Un stade de foot a été réquisitionné. Des gradins ont été montés pour l'occasion. Pour la plupart de ces gens, c'est la sortie de l'année. 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 2 dollars par jour. 25% sont atteints du sida. Les proches du roi, eux, arrivent tous en voiture de luxe. Dans la tribune officielle, le dress code, c'est tiré à 4 épingles. Pour faire patienter les convives, il y a même un journal gratuit, spécial birthday. Il arrive au pouvoir en 1986, ça fait 30 ans. Il avait 18 ans quand il est devenu roi. Il arrive. Le roi du Swaziland est bardé de médailles, mais pas seulement. Sa fortune est estimée à plus de 200 millions de dollars. Les gens me demandent ce que je veux pour mon anniversaire. Je ne leur demande que la paix pour notre pays. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Cet homme, c'est l'un des crieurs du roi. Son métier, chanter les louanges de sa majesté à chaque déplacement. Bon, bah, cette fois-ci, on n'aura pas le droit, mais on a le droit de poser quelques questions à la princesse, sa fille. Pour rencontrer un membre de la famille royale, sécurité maximale. Avec ses 14 femmes, le roi a eu une trentaine d'enfants. À 28 ans, la princesse Sikanizo est sa fille aînée. Hello, how are you? I'm Ben. Nice to meet you. What did you wish to your Qu'est-ce que vous avez souhaité à votre père pour son anniversaire? Tous les enfants souhaitent à leurs parents une longue vie. Ensuite, je lui souhaite d'être entouré de gens vertueux et bons, qui croient en sa vision. Il faut aussi qu'il soit capable de montrer plus d'amour pour son peuple. Enfin, de montrer tout l'amour qu'il a en lui pour son peuple. Et vice-versa. Fan numéro 1 de son père et rappeuse à ses heures perdues. Après ses études aux États-Unis,
Elle a même enregistré un album. Lent ou rapide? Rapide. Pendant ce temps-là, devant le stade, une fois n'est pas coutume, il y a de la viande pour tout le monde. Le roi gâte ses sujets, et vice-versa. Notre roi est vraiment très cool. Vraiment excellent. Moi, je m'attendais pas à autre chose, de toute façon. Pour entendre autre chose, il faut se faire discret. Nous avons rendez-vous avec l'ennemi numéro un du royaume. Nice to meet you. I'm Benoît. Thank you. On peut bouger ça pour être un peu à l'écart. Est-ce que votre maison est sous surveillance? Oui. Ils savent quand j'ai des visiteurs. Mario Masuko vient de passer plus d'un an en prison. Son crime, être le leader d'un parti clandestin d'opposition. Si vous parlez mal de n'importe qui au sein des autorités, si vous critiquez le gouvernement, ça s'appelle la sédition. Et vous pouvez être condamné à 20 ans de prison. Ici, le roi contrôle tout. Rien que pour cette phrase, il pourrait de nouveau retourner derrière les barreaux. Au Swaziland, c'est le ministère de l'information qui contrôle les médias. Les revues de presse sont vite faites. Il n'y a que deux journaux et le roi est partout. C'est pas possible de critiquer le roi. Critiquer le roi? C'est impossible. Bon, il n'y a pas beaucoup de papiers d'analyse politique. En revanche, il y a plein d'annonces pour des guérisseurs traditionnels. Ce sont des pratiques très, très utilisées au Swaziland. Même le roi en a un personnel. Beaucoup de rumeurs circulent sur le roi et les médecins traditionnels, appelés ici Sangoma. Des séances de magie noire seraient parfois organisées au palais. Des histoires invérifiables, mais qui cultivent le mythe. Nous avons rendez-vous avec le docteur Sibanze, l'un des innombrables Sangoma au Swaziland. Dans son cabinet, des poudres magiques, des remèdes miracles et bien sûr, la photo du roi. Le roi, il a plusieurs Sangoma? C'est pas une question simple. Quand tu parles de ce sujet, tu exposes le roi et c'est absolument interdit. Tu comprends, ici, la loi est très dure. Je peux pas répondre aux questions sur le roi. J'en ai quand même profité pour tester ses pouvoirs magiques. Vous pouvez faire quelque chose pour mes histoires d'amour? Oui, je peux faire quelque chose. Mais il faut que ça reste entre nous. Parce qu'en fait, je voudrais que cette femme tombe amoureuse de moi. Ah là, c'est non. Je peux rien faire. Pourquoi? Elle est trop belle pour moi? Non, non, non. Je suis désolé. Deux jours plus tard, nous retrouvons la princesse Sikanizo. C'est la guest star d'une conférence sur le rôle des bibliothèques en Afrique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le rôle de son père. Nous avons le droit à quelques minutes d'audience avec elle. Cette fois-ci, l'ambiance est bien plus formelle. Elle a toute sa cour autour d'elle. Ah ouais, I have to do that. Yeah. Ah ouais, ouais. Because it's painful. It will be painful for me. Okay. Yeah, you know. In the US, what quand vous étiez aux États-Unis, qu'est-ce que vous répondiez quand on vous disait que le Swaziland est une dictature? Personne ne me disait ça aux États-Unis. Vraiment? Non. Voyagez dans notre royaume et vous allez voir à quel point le peuple swazi est libre. Vous verrez la beauté d'un système qui mélange la monarchie et l'amour. Dans notre royaume, le leader n'est pas élu, mais désigné par Dieu. Et cette personne qui reste au pouvoir est capable d'avoir un cœur pour son peuple. Pour son anniversaire, en tout cas, il sait être généreux avec son clan.
Le soir, plus de 1000 personnes sont invitées à la garden party. Après avoir coupé le gâteau, séance photo avec chacune de ces 14 femmes. En 2012, la famille royale a coûté 26 millions de dollars à l'État swazi. Un budget colossal pour l'un des pays les plus pauvres au monde.